abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Ce lundi 19 juillet, M Silence Caméra Canapé, un nouveau format dans lequel des panélistes réagissent à des moments de vie filmés chez des anonymes. Le pari est osé. Près de 7 ans après l'échec de Vue à la télé, M C tente à nouveau une émission basée sur des gens qui commandent des images. Souvenez-vous, ce format n'avait tenu que 2 mois, entre octobre et décembre 2014, des panélistes commentaient alors des émissions de télévision avec plus ou moins d'esprit depuis leur salon. C'est aussi un peu l'idée de Caméra Canapé, la nouvelle émission que lance la chaîne ce lundi 19 juillet. Mais cette fois-ci, ce sont des séquences réalisées chez des anonymes, dont le salon a été filmé en continu durant 1 à 3 jours. Qui ont été présentées aux commentateurs. Demande en mariage, séance de spiritisme. Emménagement. Les situations devraient être variées. Nous avons eu l'idée de Caméra Canapé en remarquant qu'après avoir assisté à un même événement ou avoir été témoin d'une situation, les réactions diffèrent en fonction des personnes, a expliqué M6. Certains sont gênés par une situation. D'autres sont émus par cette même situation alors que d'autres en rient. On s'est alors dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant et de divertissant dans le fait de regarder les réactions de personnes qui assistent à la même scène. Le concept de Caméra Canapé, qui rappelle également L'amour vu du pré, repose sur les 6 groupes de panélistes sélectionnés par la chaîne. Nous souhaitions que chaque téléspectateur puisse s'identifier facilement à un groupe de panélistes. Annoncé M6. Caméra Canapé est un programme familial qui s'adresse à tout le monde. Il y a 3 groupes d'inconnus, la famille complice formée par Barbara, Richard et leur fille Victorine, le jeune couple branché de Samir et Émilie, ainsi que les mamies inséparables, Francine, Claudine, Daniel et Christine. Les 3 autres groupes parleront un peu plus aux téléspectateurs. Surtout l'acteur Gilles Alma. Notamment dans Nos chers voisins et César Wagner, qui participe à l'émission avec sa femme Aminata. Les amateurs d'incroyables transformations seront enfin ravis de retrouver 3 visages familiers dans Caméra Canapé. Surnommé les Colex Chamailleur, le coiffeur clasheur Nicolas Waldorf et la styliste Charla Carter devraient à coup sûr apporter un peu de piquant à l'émission. Et vu leur sens de la formule dans l'émission de Relocking, ça promet. Enfin. Barbara Ngana, une des maquilleuses d'incroyables transformations, est aussi au casting, elle forme un duo de choc avec sa meilleure amie Nikita. Il promet lui aussi d'être pétillant. Reste à savoir si cela suffira à faire décoller le programme.